Bonsoir, vous allez bien? Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et on va refaire aujourd'hui du 50-50, donc là vous voyez que le V3 vient de sortir, donc je vais tout de suite aller le faire. Ah, et au passage j'ai oublié de vous dire que si vous entendez du bruit derrière moi, c'est que j'ai encore des travaux chez moi, et oui. Donc voilà, j'ai essayé de, comme la dernière fois, essayer de camoufler un petit peu. Allez, c'est parti, je lance. Donc le V vient de se lancer, donc avant que je sorte du bus, je vais juste vous montrer une petite nouveauté qu'il y a eu. Alors là je suis pas du bon côté, mais il se trouve au nord de la map, donc voilà, il y a un petit clin d'œil pour la Coupe du Monde je pense. C'est carrément un stade de foot sur à l'emplacement d'une ancienne ruine de ville, je sais pas si vous filmez au dessus dans le parc. Donc je sais qu'il y a quasiment personne qui y allait, et du bon loot pourtant, mais bon c'est pas grave. Donc là ça a été remplacé par carrément un stade de foot. Donc moi je vais sauter je pense sur Lonely, ça je suis pas trop dans la zone. Alors c'est la V3, j'ai pas encore vu toutes les modifications du pourquoi c'est la V3, mais j'ai vu que niveau temps, on en a un peu moins, c'est-à-dire que normalement on est censé avoir 10 minutes pour rejoindre la zone, et là on n'a pas du tout 10 minutes, hein. On a plus que, voilà, vous voyez, 6 minutes pile pour rejoindre la zone, donc voilà, on perd 4 minutes. Après j'ai pas vu tant de différence que ça, après. Sur la map, si en plus changé, il y a aussi Dusty, ici il y a encore un peu plus de verdure, donc je pense que à la fin on aura une belle petite prairie, hein. Ça risque d'être assez sympa à regarder. Si y a un coffre là, ouais, il y a un coffre. Et il y a aussi une nouvelle arme, j'allais dire des nouvelles armes, non, il y a une nouvelle arme qui vient d'arriver sur le jeu. On va pas prendre le coffre, est-ce qu'on l'aura là? Non, on n'a pas. Donc cette arme-là, c'est le fusil d'assaut à lunettes thermiques. Donc honnêtement, j'ai pu l'essayer, il est pas si ouf que ça. Hop, on prend juste une mine là. C'est vrai que je mets bien ici en coffre. Donc ouais, voilà, le fusil à lunettes thermiques n'est pas forcément ouf, hein. Une cadence de tir vraiment pétée je trouve, et puis il ressemble vachement au fusil d'assaut à lunettes tout simplement. Donc voilà, si j'arrive à vous le trouver, j'essaierai de vous le montrer. Hop. Moi je vois cette popo, ma petite Red Bull. Alors ça y est, j'arrive en guerre. Donc il y a l'ennemi un peu partout, là il y en a un aussi. Alors les ennemis sont principalement là juste devant. Ils sont bien planqués les gars, donc j'essaie un peu de les éviter même si j'ai un sniper. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de les contourner légèrement et les prendre du son en arrière avec mon sniper, j'en profitais. C'est pour une fois que j'en ai un, je vais essayer de l'utiliser quand même, ce serait dommage de ne pas l'utiliser du coup. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du combat. Ah si, ça construit. Est-ce que je suis bon sniper? Oh, je l'ai touché. Oh, je l'ai eu. J'ai fait son élimination. Donc quoi que niveau distance, maintenant j'arrive un peu plus à gérer. Un petit coup de la lune. Ok. Lui il sortait complètement de nulle part, j'étais là tranquillement avec mon sniper, je le vois arriver. Ah ouais, j'ai quand même galéré pour l'avoir. Hein. C'est un ennemi là devant, ah ouais. Hop là, bah voilà, tranquille. On va l'éliminer tout de suite, comme ça on sera fait. Voilà. Alors par là-bas, je crois qu'il y a encore un peu d'ennemis, mais pas énormément. Il y en a encore aussi un peu en face. Alors j'essaie de retourner à la position du sniper. Oh, il y en a aussi derrière. Ouais, lui il arrive. Ouais. Ok. Alors j'ai mon lance-grenade, je vais en profiter. Normalement là-bas j'ai fait un mort, non? Ah, ils sont juste là. Je vais les finir. Hop. Et hop. On se met vraiment bien pour cette game là, on est déjà à 3 frags quand même. Hein. Où ça arrive? Ouh, il y a du monde. Wow, 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 wow. Mais lui qu'est-ce qu'il fait? Wow. C'est blindé. Je vais mourir, je crois. Ouais, je suis mort. Ah, je me suis fait totalement rush par les ennemis. Bon, bah, du coup, qui dit première mort dit nouvelle game, hein, évidemment. Donc, malheureusement, je suis toujours pas du bon côté pour vous présenter le terrain de foot. Alors, c'est vrai que je pourrais essayer de contourner, mais le problème, c'est que je vais avoir beaucoup d'ennemis vu que c'est derrière.
Vous savez ce que ça donne quand c'est nouveau, hein, c'est comme Dusty, il y a toujours beaucoup beaucoup de monde. Donc là je vais sauter, je pense, peut-être sur le pied, j'essaie de refaire un petit stuff et je vais repartir au combat du coup juste après. Et bien écoutez, pour une fois je suis assez étonné parce que sur deux games de suite j'ai un bon stuff. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent donc j'essaie d'en profiter parce que c'est vrai que le Famas c'est rare que j'arrive à le trouver en partie. Ce pompe là, le pompe que j'ai, l'un des derniers qui est sorti, j'ai aussi du mal à le trouver. Et là, ça arrive tout seul, donc voilà, j'ai quand même pas mal de chance sur ces deux parties-là. Alors j'espère que la chance va rester avec moi et qu'elle va me permettre de faire un top 1, ça pourrait être pas mal. Par contre là, j'ai l'impression que les ennemis ont bien fouillé la zone, hein. Il y a des constructions un peu partout. On va essayer de faire le ménage, du coup. On va commencer par Hulk, hein. Oh. Un KO. Non, je voulais mettre KO mais j'ai mal tiré. Oh, oh, je tire n'importe comment. Hop là, deuxième KO. Oh, KO. N'importe quoi. Deuxième KO. Oh, par contre, j'ai vite fait prendre son sniper. Voilà. Merci bien, monsieur. Voilà, ça me fait déjà deux frags en vraiment début de game. C'est vraiment pas mal. Alors j'essaie de continuer sur ma lancée, est-ce qu'il y a des ennemis par-ci par-là? Par là-bas il y a du monde, ah là aussi. Oh, je me rapproche de l'ennemi. Alors lui... Non, il savait souvent j'ai tiré. À chaque fois ça m'arrive, c'est à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Là je commence à m'approcher un petit peu plus, je vois que par là ça commence à bien... bien rusher l'ennemi de ce côté-là, donc j'essaie de... de les accompagner, hein, tout simplement. Allez, descendez là. Oh, il y en a là. Oh, il a pris bien cher. Il essaie de l'avoir. Enfin, là, ce qui fait... qui est pas très précis, quand même, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il est un peu plus précis avant, alors je sais pas s'ils ont fait une mage ou quoi dessus. Non, il est presque KO. Doit pas lui rester beaucoup de PV. La balle que je me suis pris. Ah, c'est bien, pour une fois je suis pas tombé sur quelqu'un de débile qui m'a regardé mourir, hein, pas comme la dernière fois. Donc c'est bien, là j'ai été ranimé, je vais pouvoir continuer un peu mon combat. C'est vrai que la balle de sniper que je me suis pris, je l'ai pas vu venir du tout. Ça y est, il reste plus qu'un ennemi. Ça va être bientôt fini. Je sais pas où est-ce qu'il se planque, mais il doit être en pression, gars. Alors les gars, vous allez bien? Allez, une petite danse. Ça, c'est la danse de la game, ça. C'est vraiment des bâtards. Je pensais qu'il allait survivre, mais pas du tout. Oh, là, là, là. Et bien, ça arrive souvent. Bon, on est gentil, vu que j'étais réanimé, je vais réanimer. Oh, puis voilà, je peux même pas finir de réanimer ça, victoire, tout simplement, le top 1. Allez, avance. Ah bah écoutez, c'était deux petites games bien sympas. Écoutez, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, enfin peut-être vous faire un mode de tireur d'élite, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que du coup, dans ce tireur d'élite là, le V3, ils ont mis des snipers et des fusils d'assaut à lunettes, plus le fusil d'assaut... à lunettes thermiques, donc honnêtement je suis pas très fan de celui-là, mais peut-être que je vous le ferai une prochaine fois. En tout cas, écoutez, pour moi c'est la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, puis écoutez, moi je vous dis à une prochaine, ciao.